Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai opté pour un tabac un petit peu original cette fois-ci puisque c'est le Pineapple Pie de chez Adalia. Donc voilà, vous pouvez voir le paquet, pour ceux qui sont pas bilingues, vous allez comprendre tout de suite, c'est tarte à l'ananas. J'hésite souvent à prendre des tabacs un petit peu comme ça parce que souvent je pars perdant d'avance en disant ça va pas être bon et ci et ça. Donc on va tester ça aujourd'hui, je vais déjà commencer par le sentir. Vous devez entendre ma respiration grâce au micro et un petit écho dans la boîte. Franchement, ça sent l'ananas, ça, il n'y a pas de problème. Après, on sent qu'il y a un petit quelque chose en plus, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, si c'est peut-être pour représenter soit la pâte ou peut-être un effet un petit peu meringué. Voilà, tac, je vais poser la boîte ici. Voilà, pour la config de la chicha, comme d'hab, MS Leao, foyer Saphir N5, Oduman Inis version 2. Et on va goûter ça. Et à l'intérieur, j'ai mis des Tom Cococha, les trois blocs, là, les nouveaux qui viennent de sortir. Allez, c'est parti. Ça fait 10-15 minutes que j'ai mis les charbons dans le système de chauffe. Et pour les premières taffes, on sent bien déjà ce goût prononcé d'ananas. Il est doux, hein, c'est pas un goût qui prend la gorge ou qui est très très fort. On peut prendre des taffes assez grosses. Hein. Franchement, c'est original. Je trouve que ça ressemble bien à la description. Donc après, que ce soit ananas ou tarte à l'ananas, voilà, il y a vraiment ce goût. Après, c'est vrai, comme je disais dans l'intro, on a l'impression qu'ils ont essayé de couper un petit peu, peut-être pour reproduire comme c'est de la pâte, ou soit cet effet meringué. Mais ça fait plus, on dirait, le goût de la pâte. J'aime bien, franchement j'aime bien, faut le dire, c'est un petit peu original mais j'aime bien. Après de là, est-ce que j'en achèterai 1 kilo? Franchement, non, je crois pas. Même est-ce que j'effectuerai une rotation avec ce tabac et d'autres? Non, je l'ai pris, j'ai goûté. Maintenant, voilà, si vraiment vous êtes fan de l'ananas, c'est votre fruit préféré, vous pourrez en manger même en hiver quand il n'y en a pas trop dans le commerce, ben voilà, vous pouvez le prendre, ça vous fera de l'ananas l'hiver. Si je devais lui mettre une note à ce tabac-là, il est un petit peu sucré quand même, ça reste en goutte, ça veut rien dire, en bouche. Donc c'est vrai que c'est agréable. Donc si je vous devais lui mettre une note sur 10, je vais sortir la petite ardoise. On va faire comme les profs. Ah, petit pineapple pie. Je te mets un. Ah, j'ai déjà mis des bonnes notes. Allez, je vais mettre un. Je me tâte. 5,5. Pourquoi 5,5? Il est bon. Mais comme je vous dis, voilà, j'en achèterai pas. C'était, je sais pas si vous voyez, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Voilà, j'en achèterai peut-être pas non plus. Enfin non, j'en achèterai plus. Voilà la team, j'ai fait un petit test. C'était rapide, hein, c'était simple, concis. On va pas blablater des heures sur ce tabac-là. Il passe, si vous voulez le goûter, allez-y. Si vous pouvez prendre 100, 150, ça vous fera un tabac original. Voilà, que vous pouvez sortir en soirée. Tiens, tu veux goûter mon pineapple pie d'Adalia? Les gars, ils vont être waouh, c'est quoi ce tabac de ouf? Et voilà, il passera. Vous passerez pas pour un con. Je dirais pas ma session, elle est loupée. Mais bon, à part ça, voilà, je pense que j'y retournerai pas. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests et on se retrouve plus tard. Allez, ciao!